C'est l'affiche de cette 30e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Lyon 3e et le PSG 2e. Les deux formations comptent le même nombre de 60 points et restent sur un résultat décevant. L'OL tenu en échec à Reims et les Parisiens battus au Parc par Nantes. Mais cette rencontre revêt un caractère encore plus intéressant du fait de la victoire de Nîmes en fin d'après-midi sur la pelouse de Lille. Autrement dit, le vainqueur potentiel de ce match s'emparerait de la première place du championnat. Les Parisiens rapidement se mettent en action avec Moïse Kine qui va centrer, c'est renvoyé par Marcelo. La reprise de Verratti, l'arrêt d'Anthony Lopez, mais ensuite Kylian Mbappé est le plus prompt pour frapper ce ballon au nez à la barbe de Mattia Deschilio et trouver l'ouverture, un quart d'heure de jeu, 1-0 pour le PSG, 19e réalisation pour le meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé, qui inscrit par là même son 9e but en 8 confrontations face à l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Mauricio Pochettino sont déchaînés, Kylian Mbappé intenable, le centre de l'international français. Le renvoi des Lyonnais, ça revient dans les pieds de Kimpembe qui va trouver son partenaire de défense centrale Marquinhos pour Danilo. 2-0 pour les Parisiens après 32 minutes de jeu. Deuxième but pour le Portugais qui ne laisse aucune chance à Anthony Lopez. Marquinhos qui remporte son duel aérien devant Jason Denayer. 2-0 à la pause pour un PSG niveau Ligue des Champions. Les Parisiens qui affronteront le Bayern en quart de finale de C1 devront afficher le même état d'esprit, la même force collective. Mais en l'état, Lyon est dépassé et souffre de la comparaison. Il va en être de même en tout début de deuxième période. 47e, le coup franc de Di Maria. Personne ne touche le ballon. Ça fait 3-0. Quatrième réalisation pour André Di Maria, le PSG qui n'avait pas encore battu une équipe du top 4 cette saison, s'échappe. Et l'OL qui avait réussi à vaincre à 6 reprises le PSG sous l'ère QSI est définitivement en dessous ce soir. Récupération de Marco Verratti qui lance sur orbite la fusée. Kylian Mbappé qui va défier Anthony Lopez et inscrire un doublé, 52e minute, 4-0. 20e but de la saison pour Kylian Mbappé, mais surtout son 100e en seulement 142 matchs de Ligue 1 Uber Eats. Les changements de Rudy Garcia avec notamment l'entrée de Slimani. Mauricio Pochettino, lui, donnera un petit peu de temps de jeu à Neymar de retour après plus d'un mois de blessure. L'OL essaye de combiner avec Slimani pour Maxwell Cornet. Le 1-2 et la frappe sèche de l'Algérien qui réduit l'écart à 4 buts à 1 à l'heure de jeu. Premier but en championnat avec l'OL pour l'Algérien. Keylor Navas est trop court. Kylian Mbappé est sorti. Un peu moins de danger dans les rangs parisiens. Et l'OL en profite pour marquer un second but avec Maxwell Cornet. À la 81e minute, l'Ivoirien qui rend un peu moins amer la défaite d'Egon. On va rester là, 4-2 pour le PSG qui s'impose en patron à Lyon et reprend la première place de Ligue 1 Uber Eats. C'est seulement la 9e fois de la saison que les Parisiens occupent le fauteuil de leader. Les hommes de Pochettino vont tout faire pour le garder et cela commencera juste après la trêve avec la réception du Dauphin, le LOSC.